Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition du journal. Six rhinocéros noirs ont été transférés par l'Afrique du Sud au Tchad le mois dernier. Hier soir, le ministre de l'Environnement, de l'Eau, de la Pêche, Sidik Abdelkerim Agar, pour marquer cet événement, est allé remettre une statuette de rhinocéros noir au chef de l'État, au président de la République, Idriss Déby Itno. Le point avec Nassour Nouditi. Disparu du Tchad dans les années 1970, les rhinocéros noirs retrouvent enfin leur biotope, pour ne pas dire leur habitat naturel. Ils sont six à être transférés avec succès par voie aérienne d'Afrique du Sud au parc national des Akouma dans la région du Salamat. La cérémonie de transfèrement s'est déroulée dans la première des quatre du mois de mai 2018. C'est lundi 4 juin 2018, le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidik Abdelkerim Agar, est venu remettre au chef de l'État Idriss Déby Itno une statuette symbolisant ses mastodontes noirs. Ce transfèrement est le fruit d'un partenariat dynamique entre l'ONG sud-africaine de protection de la nature African Park et l'État tchadien. African Park gère le parc national des Akouma depuis 2010. Les résultats de cette gestion sont visibles sur le terrain. Avant-gardiste de la protection de la faune et de la flore, le président de la République, Idriss Déby Itno, s'est réjoui du transfèrement de ces rhinocéros noirs d'Afrique du Sud au Tchad et a instruit fermement le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, Sidik Abdelkerim Agar, quant à la protection de ces six rhinocéros noirs dans leur environnement naturel. Le Tchad célèbre ce 5 juin la Journée mondiale de l'environnement. L'édition 2018 a pour thème « Combattre la pollution plastique ». À N'Djamena, le ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, à travers la Direction générale de l'environnement, a organisé une cérémonie de collecte des déchets plastiques couplé à la distribution des bacs à ordures dans les communes du 6e et 7e arrondissement. Varelaj. Chaque année, 13 millions de tonnes de plastique sont utilisées dans le monde. Ces plastiques usés ont un impact négatif sur la faune et la flore. Une situation qui exige une prise de conscience des citoyens. C'est pour lutter contre la pollution des plastiques au Tchad que la Direction générale de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche et le Programme des Nations Unies pour le développement optent pour le ramassage des plastiques. C'est à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement, édition 2018. Une stratégie qui vise à entreprendre un mode nouveau de l'environnement à l'échelle nationale. Nous avons préféré mieux faire ces déplacements de manière pratique sur le terrain pour nettoyer au moins les bordures du fleuve Chad. Tout concourt au fait que ces déchets plastiques constituent évidemment une pollution et cette pollution a donc un impact sérieux sur la santé humaine. Autre temps fort de cette journée mondiale de l'environnement est la distribution des bacs à ordures dans les communes du 6e et 7e arrondissement ciblés par la délégation. Elle est couplée avec la remise d'un chèque d'une valeur d'1 200 000 francs CFA aux 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena. Un appui de la Direction générale d'Ecobank visant à renforcer les activités des communes en matière d'assainissement. C'est un prix d'encouragement à ces femmes. Ces hommes qui luttent chaque jour contre les pollutions et les matières plastiques qui nettoient, donc c'est un truc symbolique pour les communes d'arrondissement et la commune de la ville. Au collège évangélique, la délégation est venue rencontrer les élèves de l'espace vert du Sahel. Un projet dénommé 3S, savoir, sensibiliser et sauver. Bref, ce projet œuvre pour la protection de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement est instituée en 1974 par les Nations Unies. L'objectif est de mener des actions d'envergure pour la sauvegarde de l'environnement menacé par les effets néfastes des changements climatiques. À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, le secrétaire général de l'Alliance des défenseurs des droits humains et de l'environnement, Abdaoud Nandidi, a organisé hier un point de presse. Suivez un extrait de ses propos. Il vous souviendra que chaque 5 juin de l'année, le monde entier, à travers les Nations Unies, commémore la Journée mondiale de l'environnement. Ainsi, en cette occasion solennelle et en tant que journée pour tous, ADET appelle la population
à la sauvegarde et à la protection individuelle et collective de la mère nourricière protectrice qui est la terre. Car c'est elle qui nous donne de l'eau à manger, de l'abri et accueille les défunts. Invite le gouvernement à réactualiser les mesures déjà existantes et à faire des lois de portée nationale contre la pollution plastique. Car le Tchad n'est pas seulement N'Djamena. Et les emballages plastiques sont d'usage national et non local et n'épargnent aucune partie du pays. Les plastiques pullulent sur l'ensemble du territoire national. Et invite les opérateurs économiques à explorer les opportunités de marché qu'offre le domaine des emballages biodégradables par quoi on peut facilement lutter contre la pollution plastique et la prolifération des emballages papier journaux en province de Nigeria voisin qui pose un véritable problème de santé publique. Toujours dans le même registre, une conférence débat a été organisée ce matin au CFOD. Les détails avec Mohamed Souleymane. Cette conférence débat est axée sur la protection de l'environnement et le recyclage des déchets ménagers. Les panélistes ont expliqué tour à tour à l'assistance les dangers que représentent les déchets plastiques pour l'environnement. Il s'agit notamment des sachets appelés communément LEDA. Selon les conférenciers, les déchets plastiques provoquent la pollution de l'environnement. À ce sujet, ils proposent des solutions pour éradiquer définitivement l'utilisation de l'emballage en plastique afin de lutter contre la pollution. Très soucieux de la dégradation de la biodiversité, les participants ont articulé leurs interventions sur l'interdiction de l'utilisation des sachets en plastique, l'utilisation des bouteilles en plastique, la gestion des déchets ménagers et le rôle du gouvernement dans la lutte contre la pollution. Selon les participants, l'interdiction des sachets en plastique n'est observée que dans la capitale. Face à toute cette préoccupation, l'oratrice Madame Koumate Ireflore a décrié l'utilisation de l'emballage en plastique. Elle a insisté sur le rôle de la femme dans la lutte contre la pollution. Le directeur d'assainissement, santé et environnement de la mairie centrale, Abakar Béchara Oumar, relève que les déchets ménagers ne provoquent non seulement la pollution environnementale, mais aussi l'inondation de la ville à travers l'obstruction des canalisations d'eau. Le représentant de PUNIT, Serge Djokuneyom, pour sa part, a mis l'accent sur l'impact de ces déchets sur la santé. Selon lui, les déchets ménagers non recyclés est un danger. Dans la même lancée, le directeur général de l'environnement, Koularambay Kounga Julien, souligne que les déchets en plastique non recyclés détruisent la flore et la faune. D'une manière générale, le conférencier appelle à un changement de comportement et à la vulgarisation des techniques de recyclage pour protéger l'environnement. La déforestation dans la région du Logone occidental, on n'en parlera jamais assez. Suivez ce reportage signé Ahmad Ali Hissé Ahmad. Bessa est l'une des sous-préfectures du département de la Dodje, victime encore des désastres écologiques. L'action s'est déroulée précisément au village de Bessa. Cette découverte d'étendue à perte de vue où les arbres étaient systématiquement coupés ou brûlés est l'œuvre de certains citoyens des villages de Toli, Laobessa 1 et Laobessa 2, mais aussi le chef de canton de Bessa en question. La découverte de ce crime environnemental n'est rien d'autre que le résultat du contrôle des éléments des forces de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, DGC, avec à leur tête le comsecteur, capitaine Saleh Mokhtar Beyin, très actif sur le terrain pour lutter contre le braconnage et la dégradation de l'environnement dans les deux Logone et la Tandjilé. Selon les témoignages, cet endroit abrite les éleveurs depuis 14 ans, mais cette année, les paysans ont décidé de renvoyer les éleveurs de là et sans aucune autorisation préalable et malgré l'interdiction des autorités administratives, ils sont allés vite en besogne et détruire les arbres pour en faire des champs. Le sous-préfet de Bessa, Ignabé Lalaï, a condamné le comportement de ses administrés. C'est indéniable. C'est vrai, la destruction est là devant nous. Nous avons vu ça. Malgré nos efforts, nous n'avons pas pu arrêter ça. Et j'ai qualifié ça d'incivisme de la population.
Le chef de canton de Bessa, qui serait impliqué dans cette affaire, est de refuser de bien collaborer avec les autorités compétentes pour appréhender les présumés auteurs de cet acte. A été arrêté et conduit au commissariat de police nationale pour son transfèrement à la justice. Le comsecteur de lutte contre le braconnage et la dégradation de l'environnement dans les deux Lougon et la Tandilé, le capitaine Saleh Mokhtar Beyin, met en garde tous ceux qui tenteront d'aller à l'encontre des textes et lois de la République portant protection de l'environnement. Cependant, il compte sur la franche collaboration de tout un chacun en vue de bien protéger la faune et la flore dans sa zone d'intervention. Dans le cadre de la Journée mondiale de l'environnement, le réseau des jeunes pour le développement et le leadership, en collaboration avec la commune du 5e arrondissement de la capitale, a organisé une journée de ramassage des déchets plastiques dans le quartier Champ de Ville. Au cours de cette cérémonie, le maire, premier adjoint de la commune, Dimé Abderrahim Mahamat, a salué l'initiative de l'association et appelle les autres organisations à suivre l'exemple. Le coordonnateur du réseau des jeunes pour le développement et le leadership, Kouma Akang Dorsuma, a saisi cette opportunité pour interpeller la population à une prise de conscience dans la protection de l'environnement. Un autre volet de l'actualité. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont échangé avec le ministre des Finances et du Budget, Issama Ahmad Abdel Mahmoud. Il était question ce matin des fonctionnaires tchadiens admis à la retraite en 2015 et 2017. La séance a été dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Amaniza Kazina. Pourquoi les fonctionnaires tchadiens retraités en 2015, 2016 et 2017 ne sont pas jusque-là entrer en possession de leur congé de retraite? La question est posée et le ministre des Finances et du Budget y est convoqué. Pour l'auteur de cette question éminemment sociale, le député Ndjedanoum Nenba Raymond, il serait incongru que les concitoyens qui hier encore émargeaient sur le budget de l'État puissent être définitivement privés depuis leur départ à la retraite des avantages attachés à leur situation. Pourtant, poursuit l'auteur, ces retraités versaient régulièrement leurs cotisations pendant qu'ils étaient encore en fonction. Une situation qui, selon les députés, prive ces derniers de toute possibilité de se prendre en charge et aussi de s'occuper de la scolarité de leurs enfants. Quelques élus du peuple ont touché du doigt les conditions dans lesquelles sont traités tous les retraités tchadiens qui d'ailleurs ne perçoivent pas à terme échu leur pension de retraite. En outre, la représentation nationale sollicite du gouvernement une bancarisation des pensions des retraités. Devant toutes ces préoccupations, le ministre des Finances et du Budget, Issa Mahamad Abdel Mahmoud, se montre optimiste. Il rassure les parlementaires que les services de son département œuvrent inlassablement pour une solution heureuse de cette situation qui préoccupe plus d'un. Car selon lui, les retraités sont des personnes vulnérables et respectables qui ont largement contribué à la construction de ces pays. Ils méritent le respect et le traitement de faveur. Lancement officiel ce matin de l'enquête sur les budgets communaux dans la ville de N'Djamena. Cette opération consiste à mener des enquêtes sur le fonctionnement et la gestion des communes en vue de déterminer l'indice de développement local. C'est une initiative de l'Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques avec le soutien financier de la Banque mondiale. C'est le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubrain, qui a procédé à la cérémonie de lancement de cette étude. Kalianga Voudna. Le but de cette enquête est d'évaluer la production des communes en vue d'améliorer la qualité des comptes nationaux, notamment le PIB, et de collecter les informations relatives aux recettes et dépenses auprès de celles-ci. Il sera aussi question au cours de cette étude de dénombrer toutes les infrastructures socio-économiques et culturelles pour déterminer un indice de développement local. Ceci afin de doter le pays des bases des données nationales sur les communes avec des indicateurs devant les aider dans la prise de décision. Il faut noter que des efforts importants et riches sont faits dans le cadre de la collecte des données auprès des ménages. Mais ces efforts doivent être soutenus en vue de rendre l'appareil statistique plus robuste et servir d'outil d'aide à la prise de décision. Pour le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, un pas est franchi dans le cadre de la bonne gouvernance dans sa circonscription administrative.
Cette initiative permet de combler un vide, car depuis leur création, nos communes n'ont pas bénéficié d'une telle enquête d'estimation de leurs ressources pour dégager leur contribution au produit intérieur brut. Le ministre de l'Économie et de la Planification du Développement relève que cette enquête permettra au pays de bien saisir son économie dans sa globalité. Il vous sera demandé de doter notre pays d'un indicateur économique permettant de comparer les degrés de développement économique, les niveaux de productivité entre les différentes communes, de dresser les profils de développement économique et social des communes, d'évaluer le niveau de désenclavement, surtout en ce qui concerne les voies de communication, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de vos communes. Il est à noter que les données recueillies auprès de ces communes ne seront utilisées qu'à des fins statistiques. Le programme national de lutte contre la cécité, en collaboration avec son partenaire, l'Organisation pour la prévention de la cécité, a organisé ce matin un atelier de revue annuelle du programme. Cet atelier vise à présenter le bilan des années passées et de proposer des pistes, des solutions pour les années à venir. Mamadou Omar Morsal. La présentation des résultats de l'année 4 du programme national de lutte contre les trachomes, la présentation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de la mise en œuvre du programme L'Enseigne et la présentation des perspectives de la transition 2019-2020 sont au menu de cet atelier de la revue annuelle du programme d'élimination du trachome par la stratégie chance de l'an 4 au Tchad. Des jours durant, les participants se pencheront sur des thématiques relatives au traitement du trachome, les défis de la chirurgie dans les districts et la stratégie locale pour la gestion des cas résiduels de traitement du trachome. Les différents intervenants ont apprécié cette initiative qui contribue à l'élimination du trachome dans le pays. Le représentant du ministre de la Santé publique, Dr Mia Djingar Yangar, a mis l'accent sur l'importance du programme national de lutte contre la cécité en faveur des centres médicaux. Des efforts très considérables ont été réalisés dans la lutte contre le trachome. J'en citerai entre autres, plus de 42 districts sanitaires ont bénéficié de traitements de masse à l'azithromycine en comprimé et en sirop et à l'azithère. Colir soit plus de 5 millions de personnes qui ont bénéficié de cela. Cet atelier permettra aux participants de parachever ces documents soumis à leur appréciation afin de proposer des solutions fiables et durables pour éradiquer définitivement les trachomes au Tchad. Par rapport à la 4e République, le gouverneur de la région du Logone oriental continue à sensibiliser la population de sa région. Il s'est rendu avant-hier au canton Koutou 1 pour expliquer aux habitants de cette localité les tenants et les aboutissants de cette nouvelle constitution. Le point avec Kalia Ngavoudna. Estimé à une population de plus de 16 000 âmes, le canton Koutoutou 1 a accueilli le samedi 4 juin dernier le gouverneur de la région du Logone oriental, Adam Nouki Charfadine. Accompagné de ses proches collaborateurs, Adam Nouki Charfadine est venu expliquer et vulgariser la nouvelle loi constitutionnelle aux habitants de ce canton. Après avoir conseillé aux habitants de cette localité de vivre en paix et en harmonie, le gouverneur leur a expliqué le bien fondé du Forum national inclusif ayant abouti à la naissance de la 4e République. La 4e République est une République forte, ambitieuse, citoyenne, parce qu'elle est une émanation du peuple. Unique, parce qu'elle est le fruit d'une réflexion citoyenne. Singulière dans son genre, parce qu'elle peut participer toute les sensibilités au développement socio-économique de notre pays. Harmonieuse et durable, parce qu'elle assure le développement à la base. La 4e République n'est pas seulement une simple nouveauté, mais c'est une véritable modernité révolutionnaire, institutionnelle, démocratique de notre pays. Cette prouesse politique est à mettre à l'actif du président de la République, chef de l'État, son Excellence Edric Déby Itno, qui n'a pas cessé de nous émerveiller, qui n'a pas cessé de nous éblouir, qui n'a pas cessé de nous ravir à chaque fois que la marche irréversible de notre pays vers le progrès se trouve obstruée. Juste après ce meeting, le gouverneur a rencontré les responsables des différentes sensibilités.
Rencontre au cours de laquelle Adam Nouki Cheikh Fadine a demandé à chacune et chacun d'entre eux de soutenir les acquis de la 4e République. En cette période de Ramadan, la Fondation Grand Cœur a offert des vivres aux apprenants du complexe Ibn Abbas pour la mémorisation du Coran dans une localité située à 35 km de Biltine. Mamad Salianour. La Fondation Grand Cœur a poursuivi ses activités de bienfaisance dans la région de Wadi Fira. Après la caravane multidisciplinaire et distribution de vivres et non-vivres, la Fondation pense cette fois-ci aux apprenantes et apprenants des cinq courants du complexe Ibn Abbas pour la mémorisation des cinq courants de l'enseignement de sciences islamiques et de l'alphabétisation situé à la sortie nord de Biltine à environ 35 kilomètres, où elle a organisé une rupture collective de jeunes en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira. Intervenant à cette occasion, le point focal de la Fondation Grand Cœur à Wadi Fira, Adam Attor Anour Wadak, a indiqué que la Fondation Grand Cœur, à travers ce geste, voulait apporter son aide à cette école coranique à l'occasion de ce moisson de Ramadan. Il précise par ailleurs que la Fondation Grand Cœur a pris en charge la rupture collective de jeûne à tous les apprenants et apprenantes en carême et la nourriture aux enfants du dit complexe pour le reste du mois de Ramadan. Le chef de canton de la zone, Attor Anour Wadak, le président fondateur du complexe Mohamed Gishmit Djoubal et le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de Wadi Fira, Elio Mohamed Abdelwahid, se sont relayés tour à tour pour remercier la première dame Hinda Debi Itno, par ailleurs présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, pour ses gestes continus de bienfaisance. Les apprenants du complexe Ibn Abbas, composés notamment des hommes, des femmes, grands et petits, ont dédié 1000 fois la lecture de Saint-Coran à la première dame, aux membres de la Fondation Grand Cœur et aux partenaires de la Fondation qui ne cessent à apporter concours et aide aux personnes démunies sans distinction. L'Association pour le secours et le développement en collaboration avec l'ambassade des Émirats arabes unis a remis un don composé des vivres aux nécessiteux du quartier d'Ingessou dans le 8e arrondissement en ce mois de Ramadan. Idriss Oumar Idriss. En ce mois béni de Ramadan, assister quelqu'un en lui donnant de quoi manger est un acte de grande récompense auprès d'Allah. L'Association pour le secours et le développement, en collaboration avec l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, a fait un geste pour les habitants du quartier d'Ingessou dans le 8e arrondissement. C'est un paquetage contenant des riz, du sucre, du lait et des spaghettis, des aliments destinés pour rompre le jeûne. Après avoir reçu le don, le bénéficiaire exprime leur satisfaction aux bienfaiteurs et à l'Association pour le secours et le développement qui ont choisi ces moments opportuns pour satisfaire leurs désirs. Au total, 500 paquetages sont distribués aux démunis de ces quartiers. Le président de l'Association pour le secours et le développement, Adam Ahmad Hour, remercie l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad pour les secours apportés aux vulnérables de ces quartiers. Il réitère le vif engagement de son association à collaborer davantage avec l'ambassade des Émirats arabes unis. Concernant le programme de l'Iftar Saïm de cette année, l'association a reçu plus de 2000 paquetages pour redistribuer dans toute l'étendue du territoire. Toujours par rapport aux jeûnes du Ramadan, l'ambassade des Émirats arabes unis continue à organiser des séances de rupture des jeûnes, comme vous pouvez l'apercevoir sur votre petit écran. Plusieurs fidèles musulmans ont été invités par l'ambassade à rompre le jeûne au niveau de la mosquée de N'Djamena. La rupture des jeûnes s'est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. L'organisation de secours et de développement des femmes au Tchad a fait un don des produits alimentaires au profit des femmes des différents centres coraniques de la ville d'Amtiman. Ceci rentre dans le cadre des activités du mois de Ramadan de cette organisation. Moussa Mboudou Abdoulaye.
divers produits alimentaires ont été remis aux femmes des différents centres coraniques de la ville d'Amtiman. Ces dons portent la signature de l'organisation Secours et de développement des femmes au Tchad en collaboration avec Emira Aid, un geste qui a pour objectif d'assister les apprenantes du Livre Saint en ces mois de miséricorde et de partage. Elle invite par la même occasion les autres organisations de faire autant, tout en expliquant les œuvres caritatives de son organisation. La présidente H. Mohamed Fadoul saisit cette opportunité pour lancer un appel à la communauté musulmane au partage en ces mois sacrés. Elle exhorte en outre les cadres musulmans, mais aussi les fidèles, à plus de solidarité et de générosité. Créée en 2012, l'organisation des secours et de développement des femmes au Tchad a pour but de promouvoir l'autonomisation de la femme rurale. Le Conseil supérieur des affaires islamiques, section de Biltine, a lancé à l'endroit des apprenants du Coran une compétition de mémorisation. Mamat Dibrine Alhour. La compétition dans la récitation des versets coraniques est une vieille tradition et un grand événement religieux organisé à chaque mois du Ramadan par le Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata. Cette année, 50 compétiteurs issus des écoles coraniques d'Ati et des localités voisines y prennent part. Ils se relaient devant le jury composé des oulémas spécialisés dans les sciences du Coran. La récitation jouit d'un statut particulier marqué par la rigueur et l'attention portée à des principes tels que le tajwid, la voix et l'intonation. À entendre le président du Conseil supérieur des affaires islamiques section du Bata, Cheikh Ahmad Khalid Manoufi, l'objectif de ce concours est de promouvoir la récitation et la mémorisation du Saint-Coran et d'encourager les jeunes musulmans à perfectionner leur apprentissage et à partager la parole d'Allah. Selon lui, nos cœurs, tout comme les fers, s'érouillent, et la méthode pour les nettoyer est à travers la récitation des versets coraniques. Présent à la cérémonie de lancement, le maire premier adjoint de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdala, a salué cette initiative qui vise, selon lui, à mettre les enfants des musulmans en étroite relation avec les saintes écritures. Signalons qu'à la fin de cette compétition, des prix variés seront décernés aux meilleurs lecteurs de chaque catégorie. Un nouveau parti dans le paysage politique national, il s'agit de la CTPD, Convention tchadienne pour la paix et le développement. Le président du parti, Ner Olel Ndoukolé, explique au micro de Télé-Tchad les objectifs de sa formation politique. Nous sommes un parti qui nous disons donc un parti progressiste. C'est pour dire que nous n'oublions pas le passé. Nous nous disons que depuis l'indépendance de notre pays, le Tchad, il y a les présidents qui sont succédés avec les partis politiques qui sont succédés, mais il ne faut pas oublier ce qui est passé. Ils ont fait quelque chose. Il faut leur reconnaître quand même quelque chose dans ce qu'ils ont fait. Et si nous, on vient créer un autre parti, c'est pour dire que nous voulons ajouter quelque chose à ce qu'ils ont créé. C'est cet aspect qui nous intéresse beaucoup. Nous avons un objectif. Si nous créons un parti, c'est pour conquérir le pouvoir, le conserver et le gérer. Et donc il va falloir passer par les élections pour atteindre cet objectif. Nous ne pouvons pas ne pas aller aux élections. Vous demandez si nous apportons quelque chose de nouveau? Oui. Nous sommes quand même le parti qui apporte donc une nomination, quelque chose de nouveau à l'appellation des membres de ce parti. Nous appelons leaders, parce que le terme de leader change quelque chose à ce que c'est qu'un président, secrétaire et autre. Oui, ces termes de président sont derrière ces mots, oui, mais leader veut dire que à la place où chacun de ces membres sont postés, il y a quelque chose à faire. Et le leader est celui qui sait utiliser quelque chose là où il est placé, il sait utiliser. Et nous appelons donc tout le monde à se retrouver autour de nous pour faire donc cette nouveauté que nous voulons faire dans la vie politique de notre pays. Nous voulons vraiment faire en sorte que quelque chose change dans la vie de notre pays et nous voulons que tout le monde vienne nous accompagner.
La présidente de la compagnie Kadiakossi, Maria Mayumbila, a animé une conférence de presse ce matin au sein de la radio Arc-en-Ciel pour informer l'opinion nationale sur les préparatifs de la participation de la compagnie au Festival international de développement qui se tiendra du 12 au 30 juin 2018 au Burkina Faso. Abdelhadi Mahamat Salih Babayalo. À travers cette conférence de presse, la compagnie Kadiakossi entend annoncer la participation de notre pays à travers son organisation au Festival international du théâtre pour le développement qui se tiendra du 12 au 20 juin prochain à Ouagadougou au Burkina Faso. Parmi les mots qui entravent les préparatifs de ce festival, la présidente de l'association d'échange culturel Kadiakossi a relevé entre autres la tracasserie que rencontre l'artiste tchadien pour participer à un festival. Comme piste de solution, la présidente de Kadiakossi, Maria Maïboula, appelle les uns et les autres à soutenir la culture tchadienne. La compagnie Kadiakossi a lancé plusieurs demandes de subventions, de soutien financier, d'aide, de sponsors, mais aucune réponse positive nous est parvenue. Jusqu'à nos jours, nous avons beaucoup espéré sur l'ONPTA et le Bureau tchadien des droits d'auteur, le BUDRA, qui sont des structures sous tutelle de notre ministère en charge de la culture. Malheureusement, les caisses sont vides. Alors, l'on se pose la question de savoir pourquoi crée-t-on des structures de fonds de soutien ou de fonds social aux artistes sans les financer. Cette conférence de presse essentiellement basée sur le Festival international du théâtre pour le développement a permis à Maria Maïboula d'aborder avec les journalistes des organes publics et privés toutes les questions liées à l'actualité culturelle. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.